L'artiste du mois, s'il vous plaît. Oui, je vais présenter avec une heure sur les ondes de Musique Plus pour vous donner une petite idée. L'univers, 30 minutes. Ensuite, personnalité, Musique Plus, grosse soirée en 2011. Et ensuite, la présentation de l'artiste du mois, s'il vous plaît. Moi, je suis content qu'on évite l'univers comme ça sur scène. Je trouve que ça nous met dedans, c'est pour le show. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce que je voulais te dire, c'est que tu as rencontré, tu as eu la chance de rencontrer. Ouais. Les boys de Simple Plan, ouais. Avant leur spectacle à l'Astral. À l'Astral, je passais une partie de l'après-midi avec eux. C'était une grosse semaine hein, pour Simple Plan parce qu'ils revenaient des MMDA de Toronto, ils étaient là-bas, ils ont fait le tapis rouge. Ensuite de ça, il y a eu l'enregistrement de l'artiste du mois. Et ils ont fait aussi le lancement à New York cette semaine. Donc, grosse semaine, lancement du disque. J'en ai profité pour aborder plein de sujets, mais on les a vus souvent, les gars de Simple Plan, dans les étapes, les différentes étapes de création du disque. Donc, je me suis dit, je les ai rencontrés quelques heures avant le spectacle. Je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que les rituels ont changé? Est-ce que les habitudes ont changé avec les années? J'ai rencontré Jeff et David. En tout cas, tant que je ne l'ai pas vu, cet album-là, là, je sais pas si c'est vraiment pas. On avait même pas encore eu notre copie et c'est pour ça que je suis ici. Oh, pour oh mon Dieu! Félicitations! Est-ce que vous avez encore des rituels avant le spectacle? On en a un, en fait, qu'on est en train vraiment de propager partout dans le monde. On fait ça. Ben, c'est plus fun en anglais parce qu'en anglais, on dit on se fiste. Fait qu'on fait hier. We fist each other. Fait que ça a un double entendre, mais je vais pas te dire c'est quoi la définition part, tu sais c'est quoi. Tu vois Charles, il y a comme un pad, et je te rentre dessus car il y a un gros masque d'oxygène, pis si c'est lui qui pis la voix, moi je fais de la guette en arrière, je fais des affaires cassantes. Moi je cherche le miroir pour me faire je cherche le miroir pour me faire ma ligne. J'ai toujours mon iPod Shuffle sur moi. Moi, c'est un de mes rituels. J'écoute la musique, puis je danse, puis il rit de moi. Ah. Écoute du Robin avant le show, ouais. C'est quand même quelque chose. Ouais. C'est, il faut le voir, hein. Faut le voir pour le croire. Ouais. Et avant, t'essayais de leur faire subir, puis ils ont dit comme, regarde, mets ton iPod, on est capable.